guerre, violence, sang, maître sur terre. Enemy inbound! Grenade, grenade! Ennemi sur la gauche! Ennemi sur la gauche! RPG 7 repéré! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu répondre à ton esti de sel? Chris, je t'ai appelé 20 fois cette fin de semaine. Mais non, si t'as préféré gamer. Tu vas-tu me répondre ou... Guerre! Violence, sang, meurtre sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est tout le monde? Arrête de niaiser, Antoine, on va être en retard. À bientôt. Oui, mon général. C'est bizarre ça, y'a personne. Attends, c'est pas de greffe. Le monde, tout le monde est passé. Non mais allez-y, prenez votre temps. Excusez. Comme je l'ai dit au dernier cours, on va regarder Full Metal Jacket aujourd'hui. Puis par la suite, on va l'analyser. Donc je vous passe ça. Hey, le comique, qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il y a du monde qui essaie d'écouter le film, là. Genre, je sais que t'aimes pas l'école, mais c'est pas une raison pour faire chier les autres, là. Silence! Écoute le sergent! Je t'inviterai à sortir de la classe dès maintenant. Sors, sinon j'appelle la sécu pis tu t'en vas! Ferme-la! T'es chanceux que je ne puisse pas te botter le cul! Sinon, je t'aurais dévissé la tête et je t'aurais chié dans le cou! Là, c'est ta dernière chance de sortir de la classe pis maintenant. Sors de la classe live! Tu sors live, sinon j'appelle la sécurité, Scott! Oui, général Eric. On se voit à la base. Vas-y, François, son appel, je te rejoins. Ah, bonne nouvelle, man. Finalement, j'ai trouvé le... C'est soit faire, hein? Guerre. Sang. Violence. Maître sur terre. Ah! Oh! Shit! Ça va? Ah! Ouais, je pense. Il est quelle heure? 7h30, t'as dormi pendant 6h. Oh, shit.
Dis-moi pas que je me suis vraiment comporté comme un soldat, puis que j'ai agi de même avec le prof. Ah, mon Dieu. Ouais. Puis un petit conseil, prépare déjà ta lettre d'excuses, puis je te conseille aussi de faire au moins 6-7 pages. Oh, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est correct. T'étais pas dans ton état normal. Oh, je te jure, bro, man. J'aurais tellement plus jamais de ma vie à ce jeu-là. Ça va être difficile, mais je vais le faire. Bon, on fait quoi maintenant? Je sais pas. Tu sais, le gars de tantôt qui agissait comme toi, je pense qu'il jouait au jeu aussi. Dans le fond, c'est peut-être ça qui l'a rendu zombie. Belle déduction, Columbo. Sérieux, il faut enlever le jeu de la circulation, sinon ça va finir en guerre civile. Ouais, tu as raison, mais on va faire comment? On n'est pas Rick ou Darrow. Attends, je pense que j'ai une idée. Ta voiture approche? Oui. Pourquoi? Ok. Viens, je t'explique mon chemin. Mais, si on se fait payer par la police, on est con pour 10 ans de prison. Ah, pas si je conduis vite. Sérieux, bro, comment t'as fait pour avoir autant de feux d'artifice? Mon père est propriétaire de plusieurs dettes. Pour moi, j'ai accès à tout ce que je veux. D'autres questions? Non. Parfait. Mais, t'es sûr qu'il va en avoir assez? On verra. Bon, il y a 34 magasins à faire. Ouais, la nuit va être longue. Ah, trouve un bon poste de radio pour arrêter de chialer. Je vais savoir quelque chose. Talent de noche, oui, mon colonel.